This is Switzerland's Jeremy Heinz. He is the world's fastest big mountain skier. And this year he wants to win the Freeride World Tour. But there is a fine line between a world champion and a nearly man. C'est ça que je fais 4 mois avant la saison pour faire une on va dire une base pour être prêt à faire l'entraînement spécifique sur la neige. Have a close look at this. It's going to be over in 1 second because he's fast as lightning. Absolutely aggro Richter triple up top. So Jeremy Heitz, fast and furious. And Heitz, yeah, that's what he's all about. Just speed skiing, really. On fait partie d'un sport pas fédéré. Donc on n'a pas d'équipe, on n'a pas de structure d'entraînement, rien du tout. Donc il faut beaucoup de motivation. On a eu un début de saison qui ressemble beaucoup aux deux dernières saisons qu'on a eues. Donc pas beaucoup de neige. Dès qu'il y aura de la neige qui va venir, ça va neiger sur une couche qui est déjà très rigide. C'est la meilleure surface de glissement qu'il y ait pour une avalanche. C'est la raison numéro une des accidents, c'est l'effet de groupe, le facteur humain. Il faut savoir gérer un peu cette excitation. Pas filmé ça. Je me suis lancé comme défi ce projet La Liste, qui est mon premier projet film. Je vois que c'est vraiment pas que du ski. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à côté d'une carrière d'un freerider. On peut dire que je suis un peu victime du succès de La Liste. J'avais vraiment pas prévu ça, mais ça fait chaud au cœur parce qu'on voit qu'on fait quelque chose qui génère de l'intérêt et puis qui génère du plaisir chez des personnes. Quand tu filmes, quand tu es devant une caméra, tu décides où tu vas aller skier, tu décides des conditions dans lesquelles tu vas aller skier. C'est deux approches complètement différentes. Moi, personnellement, j'ai encore besoin de la compétition pour me pousser un peu dans le ski. That's pretty much textbook heights right there, above the exposure, getting creative, and then able to handle the high-speed exit. Les deux dernières saisons sur le Freeride World Tour, c'était j'étais à fond. Comme chaque fois que j'ai pris part au Freeride World Tour, c'est un beau challenge personnel de faire chaque étape contre des skieurs incroyables. Donc moi, ça me pousse vraiment, ça pousse mon ski, ça me pousse mentalement. Et c'est pour ça que je continue la compétition. C'est une école du ski pour moi. Chaque année pareil, chaque année j'avais le même objectif, les mêmes ambitions, la même motivation. Et cette année, ça va être pareil. Going for a backflip. And landing it! Oh, we love that! J'ai jamais gagné de compétition encore sur le Freeride World Tour. J'ai vraiment envie de gagner une fois ce titre. Et puis ça m'est chaque fois un peu passé sous le nez. Si je me fixe un objectif au début, si je vais à Chamonix fin janvier, c'est clair que je vais faire tout mon possible pour arriver à Verbier et puis peut-être remporter le Freeride World Tour.